Bonjour, je me présente, je suis Daniel Garcia, architecte cofondateur de l'agence Atelier Fuseau, une agence qui est spécialisée dans les logements sociaux et surtout dans les projets où il y a une valeur environnementale rajoutée. Et on va, je vais présenter rapidement l'agence donc, qui est axée sur trois thématiques, la Seine, la cour et le jardin. Et là, on appelle le jardin la façon d'aborder les projets à travers des usages, les changements des paradigmes et le projet architectural comme un lieu social pour créer des écosystèmes qui permettent de grandir et vivre ensemble. L'autre façon dans laquelle on perçoit les projets, c'est à travers c'est ce qu'on appelle la scène, c'est réparer la ville, donc aborder le projet à travers de la dimension technique. Les projets qui sont une innovation en termes des matériaux, des recherches, que ce soit à travers des solutions passives qui nous intéressent énormément dans notre projet ou à travers des matériaux biosourcés, géosourcés ou la préfabrication, la construction hors site. Et puis, c'est ce qu'on appelle la scène, c'est activer la ville, c'est-à-dire les projets des co-conceptions qu'on va faire ou des participations citoyennes qu'on va faire avec. Avec la ville, c'est des projets plutôt temporaires qui vont permettre d'activer un lieu ou un espace urbain pendant une période dans l'objectif de pouvoir les faire évoluer à plus long terme. Donc là, c'est quelques réalisations que l'on fait donc, avec différentes bailleurs, de la construction pierre massive, de la préfabrication hors site. Et là, c'est les projets donc, de la Seine. On a fait à la Prairie du Canal à Bobigny ou à Madrid des opérations avec les habitants pour réactiver un lieu public, pour trouver l'identité aussi des lieux et puis chercher un approche urbain différent. Et on a présenté au pavillon, enfin au congrès, et un projet qu'on appelait Habiter la Lisière. C'est un projet qu'on a fait avec CDC Habitat, c'est une opération et avec un autre architecte chez l'Office. C'est 35 logements sociaux à Bois d'Arcy, donc à la Lisière, c'est la fin des villes. Et il posait énormément de questions justement sur la transition entre la ville dense et la forêt, d'une part, et aussi comment aborder ces transitions aussi à travers des typologies différentes, donc du collectif jusqu'à la maison individuelle. La base c'était d'assurer ces transitions urbaines et paysagères. On a créé des poches de biodiversité, donc on a densifié un peu la maison individuelle pour favoriser l'entrée de la forêt à l'intérieur du site. C'est ce qui fait des réserves de foncières, mais aussi des réserves de biodiversité. Et puis on a travaillé cette limite entre l'espace public et l'espace privé. C'est une espèce de forme d'appropriation qui pour nous c'est important et surtout pour le bailleur où il y a toujours une question sur l'espace et on a toujours des problèmes de stockage ou des logements qui peuvent être parfois un peu petits. Et sur cette opération, on a pu développer cette idée des pièces en plus, c'est-à-dire pour les logements collectifs, on a cette façade avec cette trame des balcons loggia qu'on peut s'approprier et même CDC un jour il peut décider de les fermer pour créer des jardins d'hiver ou voir une cuisine plus grande. Et puis dans les maisons individuelles, on a proposé cette mini jardin d'hiver qui se retrouve à côté de la cuisine et du garage, ce qui permet à la fois soit de créer un atelier si on a besoin pour réparer notre voiture ou pour faire du bricolage, ou bien un petit jardin au prolongement de la cuisine pour installer une table, etc. Et ça donne directement sur les jardins. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé avec CDC justement pour bénéficier d'une pièce en plus qui rend aussi les logements évolutifs. Voilà. Donc je vais peut-être vous laisser un peu la parole à Madame Oudus qui a travaillé sur l'opération pour le compte de CDC Habitat. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Non, juste moi quelques mots pour rappeler en effet qu'il s'agit d'une opération de 35 logements qui a été livrée donc en 2022, qui est une opération qu'on a développée dans le cadre à l'issue d'une consultation qu'on a donc gagnée, une consultation Grand Paris Aménagement sur la ZAC de Bois d'Arcy.
C'est une opération qui est assez symbolique des projets qu'on développe en maîtrise d'ouvrage au sein de CDC Habitat Social. C'est une opération qu'on a voulu intégrer évidemment dans l'environnement avec une architecture sobre, élégante et qui comprend aussi des matériaux périns, parce que l'idée c'est aussi que les bâtiments fonctionnent bien dans l'environnement pour le nombre d'années où ils sont... Enfin, en tous les cas, on a une empreinte importante et pendant longtemps sur les territoires sur lesquels on s'installe. Également, des logements confortables parce qu'on répond à des attentes de locataires. Et donc, on a un cahier des charges chez CDC qu'on a appliqué sur ce projet avec des espaces, comme M. Garcia l'a indiqué, des espaces en plus dans la mesure du possible. Également, des espaces extérieurs puisque là, on a une prépondérance de l'environnement qui est de grande qualité. Donc l'idée, c'était aussi qu'on puisse faire bénéficier, même dans le collectif, nos locataires d'espaces supplémentaires, également dans les maisons, les jardins. Et on a développé également quelque chose un petit peu anecdotique, mais qui a son importance. On a des logements familiaux également sur un des îlots qui permettent aux locataires de développer leur culture s'ils ont envie, avec des petites cabanes de jardin qu'on met à leur disposition. Il y a des services comme sur les opérations de CDC, loge, gardien à demeure, et également des locaux communs généreux, notamment pour les vélos et les ordures ménagères. On est également sur un projet ambitieux à l'époque d'un point de vue énergétique, à l'image de ceux qu'on développe chez CDC, puisqu'à l'époque on était sur un permis 2018, donc on avait poussé la RT 2012 moins 20%. Ça passe par la certification bien sûr, mais ça passe aussi par une conception bioclimatique avec la prise en compte des l'apport naturel de la lumière. Tous les logements sont très 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 clairs et du coup très généreux. Également, on a géré l'eau à la parcelle. On a également des équipements ENR avec les ballons d'eau chaude thermodynamiques. Voilà. Et puis c'est un investissement, juste pour compléter, de 10 millions d'euros qui a été investi par CDC Habitat. Et pour terminer, avant de remercier l'équipe et M. Garcia, simplement rappeler que CDC Habitat Social, c'est en tous les cas en Ile-de-France, c'est 145 000 logements gérés. Et donc en 2023, plus de 5 000 logements qui ont été livrés et 5 000 également mis en chantier. Donc on a à cœur de poursuivre sur cette lancée sur les années prochaines. Voilà. J'étais peut-être un peu longue, je m'excuse. Je vous remercie en tous les cas pour ce beau projet, parce que c'est vrai que je pense que les locataires sont extrêmement bien. Et du coup, on a un stand dans les pavillons B4, juste là, A4. Et on vous invite à venir pour voir la maquette. Et puis le projet, on a plus de photos et plus d'images. On se rend un peu mieux compte de ce que c'est. Et puis on pourra échanger si vous le souhaitez. Merci.